Des orages sont annoncés, ce qui nous fait penser à ce que Janos, l'ancien, expliquait. Il disait que le vent déterminait par son souffle les orages, en poussant les nuages ainsi à se rencontrer, ce qu'ils font de bon gré. Par ce mouvement engagé, au frottement affectionné, qui, très animé et passionné, engage une forte convection de ses énergies en ébullition avec de sonores effusions. Au tonnerre des percussions, ce corps à corps est ponctué. À la fureur de la passion électrisée, l'atmosphère est électrocutée, du ciel à la terre d'éclairs zébrés. Alors ces corps assujettis sont foudroyés, et des fluides dont ils sont chargés, enfin ils sont soulagés, qui, en pluie, se laissent tomber. Janos, l'ancien, nous dit aussi de bien comprendre ce qui suit, que les nuages sont, en état vaporisé, les corps de cumulos et limbus transformés par le sort lancé par Célesté exaspéré de les voir sans cesse le défier, à s'accoupler contre sa volonté et par leur intempérance troubler du ciel la clémence. Mais à changer d'état, rien n'y fit. C'est dévergondé, toujours le défi. Les intempéries, ils n'assurent pas la maîtrise. Toujours pris en défaut par leur traîtrise. Quoi qu'il en soit, ici, la pluie est enfin tombée. A inondé cette terre tellement desséchée et réconforté les agriculteurs désespérés qui ne savait plus à quel saint se vouer.